Salut les manchots. Mot de passe oublié, c'est la fessée. Mot de passe perdu, pam pam cucu. Comment réinitialiser son mot de passe Ubuntu? Il va falloir redémarrer votre ordinateur et appuyer sur la touche Maj qui se trouve ici lors du redémarrage. Je clique sur le menu pour redémarrer et je vais appuyer sur la touche Maj au redémarrage pour afficher le grub. Et voilà, le grub est apparu. Ici, nous allons pouvoir changer notre mot de passe. Pour cela, il va falloir naviguer avec les flèches du clavier qui se trouve ici et la touche Enter. Descendre sur le menu Options avancées pour Ubuntu avec les touches du clavier. Je valide avec la touche Enter. Ici, il faut choisir Ubuntu Recovery Mode. Je descends avec les flèches du clavier sur Ubuntu Recovery Mode. Je valide avec la touche Enter. L'ordinateur va démarrer. Ici, je vais avoir plusieurs options. Il faut choisir l'option Root. Descendre avec le menu du clavier jusqu'à la menu Root et valider avec la touche Enter. Ici, un nouveau menu est apparu. Appuyez sur Entrée pour la maintenance. Je valide la touche Entrée. Ici, je vais pouvoir valider ma commande. La commande à rentrer est ls espace slash home pour trouver le nom d'utilisateur. Ls, un espace, le slash, home. Je valide avec la touche Enter. Ici, j'ai mon nom d'utilisateur en bleu qui est apparu. Le nom d'utilisateur, c'est Linux. Le vôtre sera sûrement différent. Je vais donc rentrer la commande pour changer le mot de passe. PASSWD espace, le nom d'utilisateur, Linux. Et je valide avec la touche Enter. Entrez le nouveau mot de passe Unix. Je vais mettre le mot de passe Linux. Linux. Le mot de passe ne s'affiche pas, c'est normal. Validez avec la touche Enter. Retapez le nouveau mot de passe de Unix. Je retape Linux et je valide avec la touche Enter. Le mot de passe a été mis à jour avec succès. Je tape Reboot pour redémarrer l'ordinateur. Je vous conseille le mot de passe Linux. Il est simple et nous allons pouvoir maintenant le changer directement dans le menu des paramètres. Ici, je valide le mot de passe Linux. Je valide avec la touche Enter. Et je vais maintenant aller dans les paramètres. Je développe le menu, je vais dans les paramètres, aller dans le menu Détails, choisir Utilisateur. Ici, je vais déverrouiller. Tapez votre mot de passe Linux, valider avec Enter. Sur la ligne Mot de passe, vous cliquez. Ici, vous allez mettre votre mot de passe Linux. Tapez votre nouveau mot de passe, le confirmez ici. Et voilà. Kenabo et à bientôt.